Ce sont des cris de joie au rythme des balafons qui font la discipline au collège Vogue de Yaoundé. Enseignants, taisez-vous, regardez-nous danser, c'est la semaine de la jeunesse. Établissements secondaires d'enseignement technique et général se sont livrés à une série de chants, poèmes, danses pour séduire le jury, composé des cadres du MINJEC, la commune de Yaoundé 3e et ambassadeur du Youth Connect. Était la compétition, séduisant les chants, élégant les élèves pour célébrer cette édition de la semaine de la jeunesse, un encadrement bien suivi et un témoignage vivant pour une satisfaction absolue, explique encore Madame le délégué d'arrondissement pour Yaoundé 3e en faveur du MINJEC. Mais c'est l'occasion aussi pour les jeunes de montrer leur prouesse, de montrer ce qu'ils savent faire, de montrer leur savoir-être. C'est aussi pendant cette période que les jeunes s'arrêtent un moment pour pouvoir réfléchir sur le thème d'abord et sur tout ce qui se passe dans la société. Aujourd'hui, on parle de violence, C'est un moment où on s'arrête et on prend conscience de certaines choses. On essaye avec les jeunes de rectifier. Donc, je crois que c'est un moment important pour la jeunesse. Grande était la joie de ces enfants du lycée qui sont venus rire et dire non aux enseignants maltraités, non aux compas qui tuent, non aux tramadol qui saoulent, non à la bière qui détruit, pour une édition favorable. Ainsi, la semaine de la jeunesse s'achève à Yaoundé 3e dans un esprit de convivialité.